Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour le tirage des énergies du mois de mars 2022 pour le signe du Sagittaire. Donc cette vidéo s'adresse à vous si vous avez le Soleil en Sagittaire, l'Ascendant en Sagittaire, la Lune en Sagittaire ou Vénus en Sagittaire. Je lance le générique, je fais le tirage et je vous retrouve juste après. Alors on y va pour les interprétations pour vous mes Sagittaires. Pour ce mois de mars, l'arcane majeur de votre mois, c'est la carte de la mort, transformation, régénération. Ici je suis avec la conjonction Vénus-Mars-Pluton du tout début du mois qui vient nous parler de transformation à attendre tant sur le plan matériel que le plan sentimental et relationnel. Regardons ce que nous annonce les oracles. Alors, l'oracle nous parle de merveilles. Attendez-vous à des choses surprenantes et merveilleuses dans votre vie. De belles choses vous attendent. Des choses différentes de ce à quoi vous avez l'habitude de faire face. Ici, Abricot foncé nous demande de faire preuve d'humour. Trouver l'humour dans la situation. Donc, peut-être des choses surprenantes, étonnantes, qui vont vous demander d'être un peu philosophe. Je suis curieuse de voir un petit peu comment ça peut résonner dans vos vies. Alors, regardons les 12 maisons astrologiques. La maison 1 ici, votre vitalité, votre état d'esprit pour ce mois de mars, mes Sagittaires. Ici, vous êtes en mode un peu attente, un peu impatience. Peut-être les choses tardent à venir et vous trépignez d'impatience. Il y a quelque chose dans votre vie que vous aimeriez voir se débloquer. Et les choses ne viennent pas assez vite. Pour autant, moi je pense qu'avec cet arcane majeur de la transformation, il va y avoir du changement, peut-être par rapport à cette situation qui vous met en mode attente. Sur vos ressources, tout ce qui est matériel, immatériel, votre argent, vos possessions, on a ici des énergies de Neptune avec le pendu. Ici, il y a effectivement peut-être une attente. J'ai des gens qui attendent un salaire, une paye, un héritage. J'ai des gens qui attendent des réponses à quelque chose, à une situation. Alors pour moi, c'est plus matériel ici. Si je reçois du matériel, oui. Du coup, la situation sur le plan de vos finances est un peu freinée. Il y a un ralentissement ici. J'ai aussi des gens qui attendent des résultats ou une formation. Ça va être très varié, mais des résultats d'un bilan de santé, quelque chose comme ça. Et vous êtes un peu en attente, c'est suspendu, vous attendez des réponses. Sur la formation, vous ne l'avez pas encore eue. Et vous attendez avec impatience cette formation qui vous permettrait en fait de continuer à vous former, à apprendre de nouvelles choses pour avancer, pour lancer un nouveau projet. Voilà ce que j'ai ici sur la communication. Bon, c'est bien là, avec l'impératrice, vous êtes dans un mode très favorable aux échanges, des échanges qui se font avec le cœur, des échanges qui se font avec bienveillance. Et ici, on a quand même un deuxième arcane majeur, il y a une certaine aisance dans les échanges, d'accord? Beaucoup de fertilité. Donc, malgré l'attente, malgré le blocage, il me semble que votre capacité à aller vers les autres, à échanger des informations, vous permet en fait de vous permettra de débloquer rapidement la situation qui est un peu freinée ici. Sur votre la maison 4, le foyer, tout ce qui concerne vos racines, peut-être la relation au père, c'est très très bien. Voyez, vous avez peut-être une situation bloquante, mais vous avez des ressources en vous qui vous permettent de faire face à toute difficulté. Donc vous avez des ressources, vous allez savoir frapper à la bonne porte. Votre foyer vous apporte peut-être ces ressources-là. J'ai des relations familiales qui sont protégées. Ici, on a les frères et sœurs. Ici, on a le lien avec le père. Les choses sont protégées.
Pour moi, vous avez votre entourage familial vous apporte un soutien, oui, un bon soutien, un soutien favorable. Ici, votre enfant intérieur, bah, vous êtes là, le roi de bâton, c'est vous, vous arrivez à vous exprimer à plein, vous brillez, vous avez des idées, les choses sont bien, vous êtes quand même en forme, hein, et vous, peut-être vous trépignez d'impatience à l'idée d'avancer sur un projet, sur quelque chose qui vous tient à cœur. Les choses ne vont pas assez vite selon vous. Sur la routine, le travail, le quotidien, très bien. C'est très bien, on est encore dans des échanges, énergie de Mercure avec du plaisir en plus. Donc du lien, moi je sens du lien social, une santé protégée. Donc si vous attendez des résultats, quelque chose comme ça qui vous inquiète un peu, je pense que ici on nous annonce quelque chose de protégé. D'accord? De bonnes nouvelles, hein. De bonnes nouvelles ou des solutions pour soigner le problème. Ok, sur les relations aux autres. Les autres, tout ce qui est en lien avec les associations, les unions, les contrats, il y a un changement ici. Déplacement. J'ai des gens peut-être qui attendent une mutation. J'ai des gens qui changent de poste ici. Ou qui vont aller vivre avec l'autre. Bref, il y a un changement, une transformation. Vous voyez, ça revient sur notre carte de l'arcane majeur de la mort. La régénération à aller chercher. Régénération, croire en votre bonheur. Croyez en votre bonheur. Croyez en la plénitude, elle est possible, elle est là, à portée de main. Ne vous posez pas trop de questions. Certes, ici, la situation vous semble un petit peu bloquée, mais en pensant positif, en fait, on a tendance à attirer le positif à soi. Sur la maison 9, la spiritualité, la foi. Ok, on est très branché dans l'intuition ici, très connecté avec une spiritualité profonde peut-être, une expérience spirituelle, quelque chose de transformateur. Quelque chose de profond et de très ancré dans l'intuition. Sur la maison 10, votre vocation, oh, super, encore des énergies mercuriennes, les échanges sont très très favorables pour vous ce mois de mars, hein, mes Sagittaires. Alors peut-être en particulier sur la fin du mois quand le soleil va rentrer dans le signe du bélier, puisque par le jeu des angles, hein, vous êtes à 180 degrés en fait du signe du bélier. Donc, on pourrait avoir en particulier pour les premiers décans Sagittaire de très très bonnes énergies. Mais globalement, de toute façon, vous avez un tirage très favorable. Donc, mission de vie, on est dans quelque chose qui est en lien avec l'autre et on réussit, on est bien dans son domaine. Donc, s'il y a un changement, moi je ressens que ce changement, il va se faire un peu sur de nouvelles responsabilités, quelque chose qui va s'ajouter. On va vous proposer un projet un peu peut-être supplémentaire. Sur le lien avec la communauté. Ah, on a quand même un petit diable ici. Alors des liens. Moi là je ressens des gens. Bah oui, forcément, avec autant de réussite hein, dans votre vie, forcément vous suscitez des jalousies. Donc la communauté ici, attention. Vous avez un ami ou une personne autour de vous qui ne vous montre pas son vrai visage. Je vais recouvrir pour avoir une information supplémentaire, mais prudence ici au niveau de la communauté. Ne parlez peut-être pas trop de vos projets, on pourrait vous voler vos idées. La leçon, c'est le choix. Savoir choisir. Alors, vous avez quand même un tirage très, très puissant là, avec plusieurs arcanes majeures. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 arcanes majeures, la moitié du tirage. Donc on est sur un mois crucial, d'après moi, un grand mois de changement. Vous allez devoir choisir. Pour moi, ce choix, il porte sur choisir entre les gens qui vous rendent heureux, les gens qui vous trahissent, et ne sont pas, en fait, ce ne sont pas toujours ceux que vous croyez. Les apparences sont trompeuses, si on me dit. Ok. Je vais recouvrir. Alors, j'aimerais bien savoir cette attente-là. Qu'est-ce qui se passe pour mes Sagittaires? Est-ce que je peux avoir un message sur la maison 1? Un message complémentaire.
ici. Ici. Sur le pendu aussi, je vais regarder pour les ressources. Pour moi, il y a une certaine, oui, une limitation en retard dans quelque chose. L'arrivée d'une guérison, l'arrivée de ressources matérielles, un retard dans un paiement de facture, quelque chose comme ça. Pour voir qu'est-ce qu'on a. Bon, il y a la victoire au bout quand même. Victoire et stabilisation. Donc, et ça se stabilise potentiellement grâce au foyer. Ouais, bon, c'est passager, ça va s'améliorer de toute façon. Mais effectivement, on vous demande d'attendre pour voir ici. Ou la situation, c'est même pas qu'on vous demande, c'est qu'il y a nécessité d'attendre. Ok, vous allez vous connecter à votre intuition et vous savez intuitivement que cette situation mérite que vous attendiez. D'accord? Je suis avec les lunes aussi, là. Nouvelle lune en poisson, le 2 mars. Et surtout pour vous, pleine lune en vierge, ici. C'est celle-là qui me parle en lien avec la situation. Pleine lune en vierge, vous récolterez les fruits de votre investissement après avoir travaillé dur. La pleine lune, elle a lieu le 18 mars. Donc peut-être que le début du mois de mars va être un mois fait d'attente pour vous. Il y a un retard dans une prise de décision, un retard dans la concrétisation. Mais pour moi, ça peut se régler dans le mois, hein. courant dans le mois. N'ayez pas de doute. Ne vous embrouillez pas. Prenez les choses avec légèreté. Ici, on avait l'abricot nous disait ça. Hein. Alors, je vais recouvrir ici. Là, je voudrais savoir ici et la lune aussi et le diable. Je vais recouvrir tout ça. Qu'est-ce qu'on a sur les contrats, l'autre? Ok, beaucoup de douceur, beaucoup de... Alors, de nouveau un 6, on se stabilise hein, sur le plan des idées, sur le plan émotionnel. J'ai des gens qui vivent leur rêve d'enfant sur le plan professionnel. Ou bien qui retrouvent un ami d'enfance et ça leur fait un bien fou. J'ai aussi des gens qui reviennent là où ils sont nés, là où ils ont grandi. Ou qui retournent vivre chez leurs parents pour régler une situation. Alors oui, ça prend du temps peut-être. Vous êtes en reconversion, vous êtes obligé de... Vous avez vendu votre logement, vous êtes en transition et vous allez vivre dans un endroit du passé. J'ai aussi ça. Ici sur la lune, les idées... Des valeurs, la spiritualité. Et puis on va recouvrir aussi la communauté. Qu'est-ce qu'on a de plus à savoir pour mes Sagittaires? Alors. Ici. Bon, il y a un nouveau départ avec beaucoup d'énergie, mais vous allez faire preuve de discernement. Discernement sur ce diable, vous, maintenant que vous savez, vous serez prudent. Ok, sur la foi, ici, il y a quand même... Alors, ici, on est sur l'épreuve. Je peux avoir des gens qui vont être déçus. Déçus sur le plan de leur valeur, quelque chose qui ne sera pas fait en accord. J'ai aussi l'administration ici, tout ce qui touche à l'administration. Si je suis en lien avec le retard, il va peut-être y avoir un remboursement. Je suis avec un remboursement de TVA qui ne se fait pas. Oui, il va y avoir... On va arrêter de croire à quelque chose, en fait. Vous voyez, c'est peut-être ça qui va déclencher le changement, la transformation. Donc, c'est un mal pour un bien, on me dit. Prenez-le avec humour, ça n'est pas si grave que ça. Ça a beau être la tour, hein, la tour un peu violente, on est sur les énergies de Mars. Ici, on me dit que de toute façon, c'est un mal pour un bien et finalement, c'était pas quelque chose qui pouvait fonctionner. Donc, c'est mieux que ça se passe ainsi pour vous. Mais il n'empêche que ça vous fait du mal, ça vous cause du trouble. Alors, est-ce qu'on peut avoir un autre message pour mes Sagittaires, là, sur la maison 9. Est-ce qu'il y a autre chose à savoir?
Peut-être pas. Est-ce qu'on a un autre message? Ici. Oui. Bon, osez aller ailleurs, en fait. Il y a du changement qui s'annonce pour vous. Effectivement, on n'est pas juste sur du neuf, on est sur de la transformation, de la régénération. Du coup, ça coûte un peu, des fois, de se transformer, hein, de changer de peau un peu. Ça déstabilise, on est un peu... Voilà, on a besoin de retrouver ses marques après. Moi, je pense que quand même, cette transformation, avec la notion d'humour, de douceur, elle peut se faire piano, piano, tranquillement. Donc, ok, ça va bien se passer. Voilà ce que j'ai. Cette transition, là, ce changement sur le plan de vos idées. Voilà, il peut y avoir ça. J'ai aussi des gens qui vont repartir en formation. Ici, on est sur tout ce qui est en lien avec les hautes études. Ça va vous demander de l'adaptation, mais vous aurez des opportunités pour réussir à vous lancer dans votre projet. Bon, bah écoutez, voilà, ça c'est le tirage global. Je vais regarder maintenant un message des anges, un message du cosmos. Est-ce qu'on peut avoir un autre message complémentaire par rapport à cette guidance? Est-ce qu'on a un message encore un autre? Ou c'est bon? Ici, d'accord. Allez hop. Regardons ça tout de suite. Alors, nettoyage, on lâche des choses, il y a du tri à faire. Je vous ai dit qu'il y avait des choix à faire, c'est la leçon. D'accord? C'est la leçon à comprendre, à intégrer. Donc, il y a du tri à faire. Ça peut être aussi, je ne l'ai pas dit, mais ça peut être avec la carte de l'amoureux, un choix à faire sur le plan émotionnel, sur le plan relationnel et sentimental. Je vous ai dit qu'il y avait besoin effectivement de volonté, de persévérance. Ici, courage et courage. Courage et, oui, courage and bravery, ce sont les deux mêmes mots. Il y a des choses à lâcher. Laisser faire l'univers, des choses magnifiques arrivent, peut-être des choses surprenantes, là je reviens sur le message de l'oracle, peut-être qu'ils vont vous demander un petit peu de regarder ça sans le prendre trop à cœur ou trop au pied de la lettre, mais en tout cas, il va se passer de belles choses, des choses qui vont transformer vos vies, vous allez laisser des choses derrière vous, des choses qui ne fonctionnent plus, ici on avait Mars, la tour. Vous allez laisser des choses qui sont obsolètes pour vous et ça va vous faire le plus grand bien. Voilà mes Sagittaires, j'ai terminé le tirage. J'espère qu'il vous a plu et qu'il vous a parlé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Je vous invite à partager cette vidéo si vous pensez qu'elle peut aider quelqu'un. Enfin, allez voir les autres vidéos qui concernent votre signe ascendant, lunaire ou vénusien. Voilà, je vais prolonger ce tirage par une guidance sentimentale sur les Sagittaires, enfin pour les Sagittaires en couple et d'abord pour les Sagittaires célibataires. Voilà, donc je vous laisse maintenant, je vais préparer la deuxième vidéo et en attendant je vous embrasse et je vous retrouve très très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.